Bonjour à tous, je suis Jessica Trocmé, vous êtes sur la chaîne des UX, UI, Web Designer, mais aussi la chaîne pour les freelance. Lors de la précédente vidéo, vous avez été nombreux à me demander un tuto pour Aurora Gradient. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sous Figma. Je vais vous montrer comment faire un fond de type Aurora. Alors tout d'abord, on va faire des formes de type ellipse. Je vais cacher d'abord le contenu illustration et contenu texte. On prend notre forme de type ellipse et on va maintenir Shift pour avoir un disque. Voilà pour le premier. Et on va le dupliquer. CTRL D, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on déplace. On va déplacer chaque forme. Maintenant, on va mettre des couleurs à nos disques. Donc dans la colonne de droite, fill pour couleur, vous cliquez sur le carré, pipette, et là, avec la palette couleur que vous pouvez avoir préparée au préalable, on va mettre un disque de chaque couleur. On sélectionne toutes nos ellipses et en fait, on va mettre un effet blur dessus, un effet de flouté. Donc effect plus. On a automatiquement Drop Shadow qui est de type ombre portée. Nous, ce qu'on veut, c'est l'effet flouté, donc Layer Blur pour la forme complète et non pas que le fond. Layer Blur. Et on va jouer sur les paramètres en cliquant sur l'icône. On va mettre par exemple 200. Voilà. Donc là, on voit bien l'effet flouté. Ensuite, on va gérer un peu chaque forme. Par exemple, celle-ci, je vais l'agrandir. Je vais lui mettre 60% au niveau de l'opacité, puisqu'on gère effectivement aussi l'opacité. Et puis, les différentes tailles d'ellipse. Et là, vous pouvez jouer sur votre créativité. Ok, et là, on peut rajouter le contenu. Comme on le voit, les ellipses sont au-dessus. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les associer ensemble. Vous les sélectionnez et vous faites une frame. Vous les englobez dans une frame que l'on va appeler BG, background, pour le fond. Et on va les positionner derrière. Hop, et on descend dans la liste et ils passent à l'arrière. Je vais rajouter un halo de lumière. Ici, derrière ma forme 3D, mon illustration 3D, je sélectionne celle-ci, CTRL D, et je vais la disposer derrière. Et je vais donner une autre couleur, donc plutôt bleu comme ceci, mais en version plus claire, un peu trop. C'est un peu violent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'opacité, même si c'était à 100%. On va mettre du 40, on va mettre plutôt du 60. Ok, et donc là, tout de suite, ça illumine notre forme. On va voir ce que ça donne. Et voilà, après, à vous de jouer et de vous amuser avec les halos. Vous pouvez aussi mélanger en fait les styles, et notamment bah là, des illustrations de type 3D, ou encore utiliser du glass morphisme, ou même les trois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos, et peut-être par exemple un tuto sur le glass morphisme sous Figma. Sur ce, à la prochaine. Salut!